Retour sur le plateau de Girondin TV pour vous parler à présent d'une énorme offre promotionnelle, l'offre de l'année j'ai envie de dire. Pour nous en parler avec nous, Zoé Jacolin du service merchandising, merci de venir sur notre plateau. En quelques mots, on peut appeler ça comment? Voilà, une grosse promo, déstockage de fin de saison sur tous les maillots, shorts, chaussettes, toutes les tenues des Girondins officielles, hein, rappelons-le. Voilà, les tenues officielles, les tenues qui sont portées par les pros pour les matchs, pour les entraînements, donc une grosse offre promotionnel qui vous est proposé pour seulement 10 jours. Donc, ouais, il faut aller très très vite. Il y a du maillot, il y a du short, il y a des chaussettes, crampons, protège-tibia, on oublie, mais c'est tout ce qui représente la marque du club. L'équipementier. Voilà. Donc tous les produits équipementiers, donc les tenues de match, mais aussi les tenues d'entraînement avec les survêtements, tous les t-shirts training, les vestes, tous les produits de l'équipementier. Alors là, on voit notre beau mannequin juste à côté de notre table, hein, avec donc la tenue de Ligue des Champions. Donc ça aussi, hein, il y a maillot domicile, maillot extérieur, maillot Ligue des Champions. Exactement. Tous les maillots de cette saison sont liquidés. Alors, on va vous parler prix un petit peu, tarif. Il y a du jusqu'à 50%. Ouais. Donc on sait que voilà, ça a un coût au départ. Avec cette offre, c'est plutôt sympa. Hein. Voilà, cette offre va vous permettre à tous d'avoir les produits pour une somme modique. Ouais. On peut donner un tarif, par exemple, un maillot habituellement comme celui-ci de Ligue des Champions, ça coûte combien? Et alors, là... pour les adultes, les maillots sont habituellement à 69,99 € et aujourd'hui, ils sont en promotion à 39,99 €. Ouais, ça fait, oui, c'est ça, c'est pratiquement près de 50%. 50%, c'est pour les tailles juniors, c'est ça? Voilà, les maillots juniors qui sont aujourd'hui à 29,99 €. C'est bien. Une paire de chaussettes, et oui, on a aussi de la paire de chaussettes sur notre plateau, elles sont neuves et propres. Une paire de chaussettes, ça coûte combien habituellement? Ça coûte 13 €. Et aujourd'hui, ils sont en promotion à 6,50 €. La paire de chaussettes pour 50%. Faire votre petit footing tous les dimanches, c'est pas bien ça? Toutes les chaussettes, Champions League, championnat, c'est tout au même prix. Hein. Exactement, les trois coloris. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que sur un maillot, il y a aussi des petits logos de la Ligue professionnelle, de la Champions League, des flocages si on veut le personnaliser. Il y a tout ça aussi qui a un coût. Ça aussi, c'est en promo. C'est en promotion aussi. Donc, les flocages dos. Ouais. Donc, dans le dos, on peut mettre soit le nom d'un joueur, donc votre joueur préféré. Vous mettez Johan Gourcuff, Marwan Chamakh ou n'importe quel joueur. Ou si vous préférez, vous faites un flocage personnalisé. Pour vous, vous pouvez mettre par exemple Olivier dans le dos. Oui, c'est bien ça. Voilà, donc ça, le coût habituellement, c'est 13 € au nom d'un joueur et 15 € personnalisé. Ouais. Et aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est pour 7 € de faire ce que vous souhaitez, donc ou au nom d'un joueur ou votre prénom. D'accord. Ou un petit surnom. Oui, n'importe, on met ce qu'on veut. Ça se passe où tout ça? Faut aller dans toutes les boutiques? Uniquement dans le réseau L'Esprit Girondin, donc nos 4 boutiques. La boutique en face du stade, la boutique ici même au château du Haillan, la boutique au centre commercial du Lac ou celle en centre-ville, rue Sainte-Catherine. D'accord. Vous pouvez bénéficier de toutes les promotions aussi sur la boutique en ligne girondin.com. C'est bien. Dans toutes ces boutiques, on peut faire les flocages. Il n'y a pas une boutique qui en fait. Toutes les boutiques, c'est exclusivement dans notre réseau. C'est vraiment une promotion très importante et qu'on limite à notre réseau. Oui, c'est bien pour la fin de saison, ça. Voilà. C'est bien pour les supporters. Il reste beaucoup de pièces ou... Alors, ça part très, très vite. Ouais. Pour vous donner un ordre d'idée, dans la journée de samedi, on a vendu 1000 maillots. Ah oui, quand même. Donc, ne traînez pas, surtout. Ouais. On le rappelle, c'est jusqu'au 1er mai. Donc, 1er mai. On est le 21, je crois. Exactement. C'est ça. Enfin, il reste une dizaine de jours, quoi. Il reste une bonne semaine. Ouais, une bonne semaine. Exactement. Voilà pour les maillots. Si vous, entre guillemets, liquidez tout ça, c'est aussi parce que, on va pas dévoiler de secret, mais la saison prochaine, il y aura de nouveaux équipements. Hein. Voilà. Et l'année prochaine, ce n'est pas une tenue ni deux tenues, mais les trois tenues qui changeront. Eh oui, tout change. Tout change. On peut pas trop en parler pour l'instant, mais on change radicalement de couleur. On change les coloris, on change les coupes aussi. Il va y avoir beaucoup de changements. Donc ça, c'est l'équipementier qui nous a fait des propositions très originales. Ouais, ça risque de plaire tout ça, vous le verrez sûrement bientôt sur Girondin TV parce que nous on a eu le plaisir de voir tout ça déjà dès le début de saison, donc on les connaît un petit peu ces nouveaux maillots. Ils sont plutôt sympas, il faut rappeler que voilà tout ça, tout ce travail, ça fait une répétition, mais un an avant, presque deux ans avant, c'est-à-dire que là actuellement, vous travaillez déjà pour la saison 2011-2012, c'est ça hein? Exactement, on a déjà les propositions, on est en train de travailler, de faire les validations avec d'un côté la direction du club, de l'autre côté Puma.
C'est long, c'est comment on travaille, vous, du côté du merchandising? Moi, j'imagine que vous avez votre mot à dire, exactement. Bien évidemment. C'est vous qui soumettez un petit peu des couleurs, des logos. Puma, notre les équipementiers en général, de manière générale, ont une ligne ou une coupe pour la saison. Donc, ils vont adapter à tous les clubs. Donc, nous, on garde la coupe, mais on a évidemment notre mot à dire sur les coloris, les ajustements, les placements de logos, de badges, tout ça. C'est vos goûts personnels ou vous faites appel aussi, je ne sais pas, des supporters ou des gens qui vous disent une espèce d'opinion comme ça, qui en attente d'un coloris? C'est travaillé en amont par donc Denis Brudio, qui est le responsable du service, qui travaille en collaboration avec Puma. Ouais. Et évidemment, c'est validé par la direction. La direction... de manière générale, donc que ce soit le président, toute la direction qui a son mot à dire, on fait faire des ajustements. Il y a plusieurs personnes, ce n'est pas le goût d'une seule personne, évidemment, qui détermine les maillots. C'est sûr. Bon, merci beaucoup d'être venu. Zoé, si vous êtes venu, on le rappelle, c'est pour cette grosse promotion encore pendant 10 jours sur ces maillots de cette année. Rappelons que cette année n'est pas encore terminée, il reste quand même pas mal de matchs. Et puis, il y a des prix surtout intéressants, parce que l'année prochaine, les maillots, certes, vont changer, mais ils ne seront pas au même prix. On rappelle, allez, on met une petite piqûre de rappel. Les petites chaussettes à moitié 6,50 prix. 6,50 euros au lieu de 13. 6,50 euros la paire de chaussettes, c'est pas bien ça pour aller au lit les soirs d'hiver? Elles sont belles, elles vont jusqu'aux genoux. Les maillots, jusqu'à 50% pour les juniors. Et voilà, pour un maillot comme ça, on le rappelle. 40 euros au lieu de 70. 40 euros le maillot aux couleurs des Girondins de Bordeaux pour cette saison. Vous serez même l'année prochaine encore dans le temps. Le short. C'est combien le short? Un petit short comme ça pour aller à la plage, à la cano. Un petit short comme ça, un petit short, c'est 19 euros. C'est 19 euros, c'est bien 99. Ça, 19 euros. Voilà, vous serez bien sur la plage. Bon, c'est très bien. On a oublié de montrer les petits maillots. Alors, plusieurs couleurs. Et oui, on a un mannequin qui est là. Je l'avais complètement oublié. Franck, stagiaire au service merchandising. Alors, les plusieurs couleurs, ben, les voici, tous les maillots de la saison. Donc, il y avait le maillot de Ligue des Champions. Ça, c'est le maillot à domicile. Le maillot homme à domicile, avec Johan Gourcuff. Un petit flocage Gourcuff. Par hasard. Ligue des Champions, on l'a vu. On l'a vu. Voilà, on l'a déjà vu. Et l'autre maillot derrière, c'est le maillot d'entraînement. Il y a aussi toutes les tenues d'entraînement. Toutes les tenues d'entraînement, comme on disait, ça, c'est un t-shirt d'entraînement que les joueurs portent pour leur footing ou autre activité. Ça, c'est bien, c'est la classe. Tout est en promotion, donc... Eh bien, foncez vite, on vous le rappelle, ça ne dure pas longtemps, les pièces sont limitées, donc foncez dans toutes les boutiques bordelaises des Girondins de Bordeaux jusqu'au 1er mai. Merci beaucoup Zoé d'être venue sur notre plateau et bon courage parce qu'il risque d'y avoir beaucoup de monde. Oui. Merci beaucoup Zoé, merci, à très vite.